Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va avoir deux prix des Défis d'Or qui vont être remis ce soir. Et puis, pour faire durer un petit peu le suspense, la suite de demain matin. Je vais faire monter sur scène déjà la première catégorie, faciliter la vie au quotidien. Donc on a Agir ABCD, Loire, Forestim, Inochel et Ma Boussole Aidant. Et ce que je vous propose, c'est de regarder leur petite présentation, le temps qu'ils montent sur scène. Ils vont arriver dans un instant, ils sont en coulisses, ils étaient avec moi à l'instant. Donc, par contre, pour ce soir, on va quand même remettre déjà... Donc, on va remettre deux prix quand même, c'est comme ça qui est important. Faciliter la vie au quotidien. Alors, comme vous êtes un petit peu embrouillés, je vais peut-être vous rappeler quand même quels étaient les candidats. Donc, nous avions Agir ABCD Loire, Forestim, Inochel et Ma Boussole Aidant. Et donc, je vais remettre... à Yves Perrin et à Éric Blachon le soin d'ouvrir cette enveloppe. Bon, les nominés ont été cités. Le retenu pour la catégorie faciliter la vie au quotidien, l'Aurera Forestim, produit vêtements chics adaptés aux seniors. Eh bien, on va pouvoir leur remettre donc le prix. Je vous laisse remettre ça et leur petit diplôme. Voilà, je vous laisse le remettre. Peut-être qu'on peut entendre un petit mot par rapport à cette distinction. Je sais pas si... Allez-y, vous pouvez retirer le masque. Bon, déjà, je voudrais vous remercier. Je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée. En tout cas, c'est l'émotion. En tout cas, j'en suis très fière. Voilà, je suis ravie parce que ça donne de la visibilité à la marque. C'est une reconnaissance aussi par des professionnels. Donc, merci à tous et merci aussi pour tous les votes. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Oui, alors on rappelle les autres candidats pour vous remettre, déjà pour vous féliciter aussi tous, et Alain va vous remettre pour votre participation, parce que c'est un petit peu comme à l'école des fans, tout le monde gagne. Voilà. Et donc on va passer, voilà, on vous laisse, bravo encore à vous tous. Et on va vous laisser faire la photo et on va passer donc à... Allez-y, faire la petite photo. Allez-y, petite photo souvenir. C'est tout bon ? Oh non, non, on ne repasse pas les films. Alors, on va appeler les candidats pour la catégorie lien social. Pour la catégorie lien social, on a Bip Bop et Mine Saint-Étienne. Si vous voulez bien monter sur scène, je vous laisse vous installer. Il n'y a pas de film. Bon, on va faire simple. Donc, pour la catégorie lien social, donc ce sera vous et Patrick Lavaux qui allez ouvrir l'enveloppe. Je vérifie juste quand même qu'il n'y a pas d'erreur dans l'enveloppe. On va vous dire pas de bêtises. Ah bon ? C'est bon, c'est la bonne question. Si on se trompe. Tout est bon. L'huissier vient de vérifier l'enveloppe. Et le résultat est... Non. Allez-y. Bah. Catégorie lien social, le lauréat est Mine de Saint-Étienne. Pour le produit Lise, localisation indoor des seniors en établissement. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot du coup ? Bravo. Oui, merci beaucoup pour ce prix. Ça met en valeur toute la recherche que l'on fait à l'École des Mines en lien avec l'autonomie. Donc merci à tous, merci à toutes les équipes pour ce prix. Bravo, voilà. On vous laisse. On va remettre le petit
prix, voilà, pour vous. Bravo aussi pour vos projets qui étaient vraiment très intéressants. Alors, vous pouvez retrouver les vidéos, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça vous l'avez compris. Et vous pourrez regarder les différents projets. Vous verrez, ils sont tous très intéressants. Enfin, on a eu beaucoup de plaisir à les partager avec vous. Voilà, je vous laisse faire la photo. On les applaudit encore une fois. Et puis, on se retrouve évidemment demain pour la suite, mon cher Alain, des défis d'or. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.